Want to speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. Hi, everyone! Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over four levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go! Level 1. Absolute beginner. Une femme et un homme regardent une photo. Quelle photo regarde-t-il? C'est la photo de l'équipe de foot de ton fils. Il est où? Il est là. Oh, et c'est le plus grand de l'équipe. Il est plus grand que moi. Un garçon lit son journal intime. Qu'a fait le garçon en premier aujourd'hui? Il a fait très beau aujourd'hui. Je suis allé à la piscine cet après-midi et je suis allé voir un film ce soir. J'ai aussi étudié ce matin. C'était une très bonne journée. Un homme est au téléphone avec une clinique. À quelle heure doit-il y être? Bonjour, comment puis-je vous aider Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure Jusqu'à 6 heures, mais il est préférable de venir avant 17h30. Très bien, ok. Un homme et une femme regardent le menu d'un restaurant. Qu'a commandé le monsieur que voulez-vous commander La pizza a l'air délicieuse. Je vais prendre ça. J'ai déjà mangé une pizza hier, donc. Ah, et pourquoi pas ce hamburger Ça m'a l'air bien. Je prends ça. Une dame demande un renseignement au libraire. Quel livre voulez voir la dame? Excusez-moi, je voudrais jeter un œil sur ce livre sur cette étagère. Quel livre voulez-vous? Le livre sur les voitures. Un moment s'il vous plaît. Celui-ci? C'est ça. Et voilà. Level two, beginner. Un homme et une femme discutent du modèle de la carte de visite de l'entreprise. Quel modèle ont-ils choisi On a reçu quelques nouveaux modèles pour la carte de visite de l'entreprise. Laquelle conviendrait le mieux à ton avis Voyons ça. Je pense que le nom de l'entreprise devrait être plus gros. Ok. Donc ça serait une de celles-ci. Oui, j'aime celle-ci parce que le nom de l'entreprise est gros et en haut. Il y en a une avec un espace pour une photo. Qu'en penses-tu Hum... Mmh, je pense que ça réduit trop la taille du texte. Ouais, le texte va être un peu difficile à lire à cause de l'image. Ok, donc on va prendre l'autre. Vous écoutez les prévisions météo. Quelles sont les prévisions Nous aurons beau temps toute la matinée. Dans l'après-midi, les nuages se montreront et il pleuvra dans la soirée. La pluie sera présente toute la nuit jusqu'à demain matin très tôt, jusqu'au lever du soleil. Un homme discute avec son épouse au téléphone. Que va-t-il acheter Coucou, je rentre à la maison. Ok, tu pourrais acheter un truc en passant Bien sûr, tu veux que je prenne quoi On a besoin de lait et de pain pour demain matin. Lait et pain compris. Combien de briques de lait Une, ça ira, je pense. Ok, autre chose Une seconde. Je regarde s'il y a encore du beurre. Ok, on en a. Très bien. Il reste des bières Oui, il y en a encore une bouteille. Ok, donc inutile d'en acheter maintenant. Oui, je pense que c'est bon. Merci. Un homme et une femme discutent d'imprimante au bureau. Où se trouve la vieille imprimante où devrions-nous mettre la nouvelle imprimante Hmm, je pense qu'on devrait la mettre là où se trouve l'ancienne. Mais elle fonctionne encore. On va continuer à l'utiliser. Ok, donc on ne peut pas mettre la nouvelle là C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir la nouvelle dans l'étagère près de la porte, mais il n'y a de place que pour une seule imprimante. Ok. Je pense qu'on devrait la mettre de l'autre côté de la pièce. Très bien. Pourquoi pas à côté de la fenêtre Ça me semble bien. Un homme cherche un cadeau d'anniversaire pour sa femme dans une bijouterie. Quel collier va-t-il acheter Puis-je vous aider je cherche un cadeau d'anniversaire pour mon épouse. Vous pouvez me conseiller Bien. Que pensez-vous de ce collier Hum. Il a l'air un peu long. Et cela Nous en avons un avec un pendentif en forme de fleur et un en forme de cœur. Je recherche quelque chose d'un peu plus sophistiqué. À combien est ce collier de perles là-bas il fait 5000 euros. Mmh, c'est trop cher. Ok, je vais prendre le premier. Très bien, voilà. Level 3 Une femme essaie une robe et discute avec le vendeur. Quelle robe va-t-elle acheter Elle vous met en valeur et vous voit très bien. Oui, elle me va. Mais j'ai l'habitude de porter des couleurs unies. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de motif. Eh bien, je trouve que cela vous va bien. Ah oui Je pense qu'il me faudrait un peu plus de courage pour porter ça. Et pourquoi pas cette robe Le motif est plutôt discret, donc ce sera moins voyant. Vous avez raison. Je vais essayer celle-ci. Je vous en prie. Qu'en pensez-vous celle-ci me va mieux que l'autre. Est-ce que vous avez la même avec des manches longues Oui, tout à fait. Très bien, je la prends. Deux étudiants, un garçon et une fille, regardent des petites annonces de job. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler Hé, hey, tu penses quoi de ce job Le taux horaire est assez élevé. C'est sûr. La paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux Bien sûr, je suis bonne en vélo. Mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler deux ou trois jours par semaine et commencer à travailler les soirs. Ah celui-là Caissière Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit. Et c'est sur mon chemin. Pas mal hein hum, auquel je postule tu hésites entre quoi et quoi le café et les livraisons ouais le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. ok, j'ai choisi je vais juste devoir me lever tôt. Une femme discute avec son coiffeur, comment veut-elle se faire coiffer bonjour, puis-je vous aider. Bonjour, j'ai rendez-vous à 3 heures au nom de Richie. Ah oui, bonjour Madame Richie. Par ici s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui Je voudrais changer un peu de style de coiffure. Ok, quelle longueur voulez-vous À peu près aux épaules. Très bien, et votre frange On garde la frange. Droite ou un peu sur le côté Un peu sur le côté. Lequel un peu à gauche. Ok. On commence avec le shampoing par ici, s'il vous plaît. Un homme fait une réservation d'hôtel. Dans quelle chambre va-t-il s'installer Si ça est d'hôtel, comment puis-je vous aider Bonjour. Je voudrais réserver une chambre pour la nuit du 22 septembre. Très bien. Le 22 septembre au soir. Combien de personnes 2. Voulez-vous une chambre fumeur ou non fumeur, monsieur Non fumeur. La seule chambre non fumeur disponible a vue sur la montagne. Cela vous convient-il Ah, j'espérais avoir vue sur la mer. Je suis désolé, mais la seule chambre disponible avec vue sur la mer est une chambre fumeur. Je vois. Y a-t-il une telle chambre non fumeur disponible le 23 septembre Oui, il y en a une. Très bien. Nous réservons pour le 23. Un homme et sa femme regardent des plans de logement. Quels logements vont-ils visiter Que penses-tu de celui-là Il a un grand et agréable séjour. Hum, j'aime bien les grands salons, mais j'aimerais avoir une place de parking. Voyons voir. Et celui-là Ouais, sympa. On le visite? Attends une minute. Le placard est pas un peu petit? Bien vu. Hmm. il semblerait que celui-là n'est pas aussi parfait. Oh, et celui-là? Il a tout ce qu'on veut, non? Et le placard est assez grand aussi. Allons voir celui-là. Ok. Level 4 Advanced. Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui Oui, j'ai déjà revérifié la salle. Ok, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui, c'est le plus important, OK OK. Et tu as récupéré les copies des documents Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir quoi d'autre. Oh, tu as vérifié le tableau blanc Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Une femme passe un coup de fil pour réserver des tickets pour une pièce de théâtre. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider Je voudrais deux tickets pour le roi lire à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de places côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner deux places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière Eh bien, vous avez des places en allée centrale Oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, trois sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place Est-ce que vous avez des places près du centre Les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc... La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant. Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier Quand auriez-vous besoin d'être livré eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier mi août Bien, nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon, et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir deux semaines de plus pour cette phase. Hmm, ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Un homme va à un club de sport pour demander des informations sur les inscriptions. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure. Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours, mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées, pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées, pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin Les sessions matinales se déroulent de 6h du matin à 10h, et celles du soir de 18h à 23h. Je vois, donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact, ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9h à 17h. Et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine, si vous ne voulez faire qu'une seule de ces options. Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends Nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends, donc je vais choisir cette option. Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Regardez le document s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les trois dernières années et les prévisions de ventes pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les trois dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. Level Absolute beginner. Answer. Quelle photo regarde-t-il Une femme et un homme regardent une photo. Quelle photo regarde-t-il C'est la photo de l'équipe de foot de ton fils. Il est où Il est là. Oh, et c'est le plus grand de l'équipe. Il est plus grand que moi. Qu'a fait le garçon en premier aujourd'hui? Un garçon lit son journal intime. Qu'a fait le garçon en premier aujourd'hui? Il a fait très beau aujourd'hui. Je suis allé à la piscine cet après-midi et je suis allé voir un film ce soir. J'ai aussi étudié ce matin. C'était une très bonne journée. À quelle heure doit-il y être Un homme est au téléphone avec une clinique. À quelle heure doit-il y être Bonjour, comment puis-je vous aider Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure Jusqu'à 6 heures, mais il est préférable de venir avant 17h30. Très bien, ok. Qu'a commandé le monsieur Un homme et une femme regardent le menu d'un restaurant. Qu'a commandé le monsieur Que voulez-vous commander la pizza a l'air délicieuse. Je vais prendre ça. J'ai déjà mangé une pizza hier, donc. Ah, et pourquoi pas ce hamburger Ça m'a l'air bien. Je prends ça. Quel livre voulait voir la dame Une dame demande un renseignement au libraire. Quel livre voulez voir la dame Excusez-moi, je voudrais jeter un œil sur ce livre sur cette étagère. Quel livre voulez-vous Le livre sur les voitures. Un moment, s'il vous plaît. Celui-ci C'est ça. Et voilà. Level two. beginner. Answer. Quel modèle ont-ils choisi Un homme et une femme discutent du modèle de la carte de visite de l'entreprise. Quel modèle ont-ils choisi On a reçu quelques nouveaux modèles pour la carte de visite de l'entreprise. Laquelle conviendrait le mieux, à ton avis Voyons ça. Je pense que le nom de l'entreprise devrait être plus gros. Ok, donc ça serait une de celles-ci. Oui, j'aime celle-ci parce que le nom de l'entreprise est gros et en haut. Il y en a une avec un espace pour une photo. Qu'en penses-tu Hum... Mmh, je pense que ça réduit trop la taille du texte. Ouais, le texte va être un peu difficile à lire à cause de l'image. Ok, donc on va prendre l'autre. Quelles sont les prévisions Vous écoutez les prévisions météo. Quelles sont les prévisions Nous aurons beau temps toute la matinée. Dans l'après-midi, les nuages se montreront et il pleuvra dans la soirée. La pluie sera présente toute la nuit jusqu'à demain matin très tôt, jusqu'au lever du soleil. Que va-t-il acheter Un homme discute avec son épouse au téléphone. Que va-t-il acheter Coucou, je rentre à la maison. Ok, tu pourrais acheter un truc en passant Bien sûr, tu veux que je prenne quoi On a besoin de lait et de pain pour demain matin. Lait et pain compris. Combien de briques de lait Une, ça ira, je pense. Ok, autre chose Une seconde, je regarde s'il y a encore du beurre. Ok, on en a. Très bien, il reste des bières Oui, il y en a encore une bouteille. Ok, donc inutile d'en acheter maintenant. Oui, je pense que c'est bon, merci. Où se trouve la vieille imprimante Un homme et une femme discutent d'imprimante au bureau. Où se trouve la vieille imprimante Où devrions-nous mettre la nouvelle imprimante Hmm, je pense qu'on devrait la mettre là où se trouve l'ancienne. Mais elle fonctionne encore. On va continuer à l'utiliser. Ok, donc on ne peut pas mettre la nouvelle là C'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir la nouvelle dans l'étagère près de la porte, mais il n'y a de place que pour une seule imprimante. Ok, je pense qu'on devrait la mettre de l'autre côté de la pièce. Très bien. Pourquoi pas à côté de la fenêtre Ça me semble bien. Quel collier va-t-il acheter Un homme cherche un cadeau d'anniversaire pour sa femme dans une bijouterie. Quel collier va-t-il acheter Puis-je vous aider Je cherche un cadeau d'anniversaire pour mon épouse. Vous pouvez me conseiller Bien. Que pensez-vous de ce collier Hum, mmh, il a l'air un peu long. Et cela Nous en avons un avec un pendentif en forme de fleur. Et un en forme de cœur. Je recherche quelque chose d'un peu plus sophistiqué. À combien est ce collier de perles là-bas Il fait 5000 euros. Hum, mmh, c'est trop cher. Ok, je vais prendre le premier. Très bien, voilà. Level 3 intermediate. Answer. Quelle robe va-t-elle acheter Une femme essaie une robe et discute avec le vendeur. Quelle robe va t-elle acheter Elle vous met en valeur et vous va très bien. Oui, elle me va. Mais j'ai l'habitude de porter des couleurs unies. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de motif. Eh bien, je trouve que cela vous va bien. Ah oui Je pense qu'il me faudrait un peu plus de courage pour porter ça. Et pourquoi pas cette robe le motif est plutôt discret, donc ce sera moins voyant. Vous avez raison, je vais essayer celle-ci. Je vous en prie. Qu'en pensez-vous Celle-ci me va mieux que l'autre. Est-ce que vous avez la même avec des manches longues Oui, tout à fait. Très bien, je la prends. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler Deux étudiants, un garçon et une fille, regardent des petites annonces de job. Pour quel travail l'étudiante va t-elle postuler Eh. Hey, tu penses quoi de ce job Le taux horaire est assez élevé. C'est sûr. La paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux Bien sûr, je suis bonne en vélo. Mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler deux ou trois jours par semaine, et commencer à travailler les soirs. Ah, celui-là, caissière. Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit. Et c'est sur mon chemin. Pas mal, hein hum, Auquel je postule. Tu hésites entre quoi et quoi Le café et les livraisons Ouais, le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. Ok, j'ai choisi. Je vais juste devoir me lever tôt. Comment veut-elle se faire coiffer Une femme discute avec son coiffeur. Comment veut-elle se faire coiffer Bonjour. Puis-je vous aider Bonjour. J'ai rendez-vous à trois heures au nom de Rishi. Ah oui. Bonjour, madame Rishi. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui Je voudrais changer un peu de style de coiffure. Ok. Quelle longueur voulez-vous À peu près aux épaules. Très bien. Et votre frange On garde la frange. Droite ou un peu sur le côté Un peu sur le côté. Lequel Un peu à gauche. Ok. On commence avec le shampoing par ici s'il vous plaît. Dans quelle chambre va-t-il s'installer Un homme fait une réservation d'hôtel. Dans quelle chambre va-t-il s'installer Si ça est d'hôtel, comment puis-je vous aider Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour la nuit du 22 septembre. Très bien, le 22 septembre au soir. Combien de personnes Deux. Voulez-vous une chambre fumeur ou non fumeur, monsieur non-fumeur. La seule chambre non-fumeur disponible a vue sur la montagne. Cela vous convient-il Ah, j'espérais avoir vue sur la mer. Je suis désolé, mais la seule chambre disponible avec vue sur la mer est une chambre fumeur. Je vois. Y a-t-il une telle chambre non-fumeur disponible le 23 septembre Oui, il y en a une. Très bien, nous réservons pour le 23. Quels logements vont-ils visiter? Un homme et sa femme regardent des plans de logement. Quels logements vont-ils visiter? Que penses-tu de celui-là? Il a un grand et agréable séjour. Hum, mmh, j'aime bien les grands salons, mais j'aimerais avoir une place de parking. Voyons voir. Et celui-là? Ouais, sympa. On le visite? Attends une minute. Le placard est pas un peu petit? Bien vu. Hmm. Il semblerait que celui-là n'est pas aussi parfait. Oh, et celui-là? Il a tout ce qu'on veut, non? Et le placard est assez grand aussi. Allons voir celui-là. OK. Level 4. Advanced. Answer. Que va vérifier la femme après leur conversation Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui Oui, j'ai déjà revérifié la salle. Ok, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur? Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui. C'est le plus important, ok Ok. Et tu as récupéré les copies des documents Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir quoi d'autre. Oh, tu as vérifié le tableau blanc Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça Pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui s'il te plaît. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve Une femme passe un coup de fil pour réserver des tickets pour une pièce de théâtre. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider Je voudrais deux tickets pour le roi Lyre à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places Nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de places côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner deux places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière Eh bien, vous avez des places en allée centrale oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, trois sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place Est-ce que vous avez des places près du centre Les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc. La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier Quand auriez-vous besoin d'être livré Eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier Gemi-Out Bien, nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir deux semaines de plus pour cette phase. Hmm, ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir Un homme va à un club de sport pour demander des informations sur les inscriptions. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure. Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours, mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées, pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées, pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin Les sessions matinales se déroulent de 6h du matin à 10h, et celles du soir de 18h à 23h. Je vois. Donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact, ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9h à 17h. Et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine, si vous ne voulez faire qu'une seule de ces options. Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends, donc je vais choisir cette option. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Regardez le document, s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les trois dernières années et les prévisions de vente pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les trois dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. How is your language level? Let us know in the comments below. And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have, because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at three practical ways to improve your listening skills. Number one, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number two, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number three, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These three tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.